Bonjour à tous, c'est 6 Fabien 2 pour la série en survie en 1.5. Donc j'ai le mode Timber que je vous montre. Voilà, j'ai la minimap. J'ai le mode mot créature. Et j'ai le mode Bullcraft. Ça, c'est un composant. Et bah, j'ai Yo Millénaire. Donc j'y comprends rien parce que j'ai installé Millénaire en dernier. Ça n'a pas marché. J'ai supprimé, j'ai repris une autre. Comment dire? J'ai effacé à Pipix. J'ai fait nettoyer, j'ai fait oui. J'ai repris ma survie sans Bullcraft. J'ai réinstallé tout, Yo Millénaire, j'ai essayé que si ça marche, ça a marché, enfin tout allait. Après j'ai essayé de mettre Bullcraft et ça marche, donc j'y comprends que dalle. Donc à des fois il faut vraiment supprimer, enfin il faut faire nettoyer avec Pipix. Comme ça, parce que certains modes, ça marche avec les forges ou les Blender, donc ça c'est ça qui est chiant. Voilà, maintenant je vais pouvoir faire des bons trucs quand même. Alors, je vais vous montrer déjà quelques crafts. Ouais, mais il me faut pas mal de plus de lingots de fer. Ouais, j'en ai. J'en ai pas beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas venu sur cette map. Donc je suis perdu. Hop, ça je mets. Donc dès que je peux, je vais faire. Bah, les trucs qu'il me faut pour creuser, pour faire un truc automatique. Donc ça fait tellement longtemps que je sais même plus qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Ça fait vraiment longtemps que je suis pas venu sur cette map. Mais bon. Ah oui, voilà, je me rappelle, j'ai un donjon à squelette. Je me rappelle très bien. Donc voilà. Donc pour me rattraper un peu, j'ai peut-être fait un truc de 3 quarts d'heure environ. Donc il me faut ça. J'ai pas la bonne langue. J'ai la bonne langue, mais pas la bonne production. Voilà, efficacité. Donc ça je vais laisser là, j'en ai pas besoin. Ça on sait jamais. J'ai besoin de ça. Et deux autres seaux d'eau. Donc le fer il est là. J'ai beaucoup plus de fer hein, franchement. Je vais être tranquille pour un moment. Mais le mode que j'utilise, donc Bullcraft. Il en demande beaucoup, hein, donc ça va être vite et liquidé. J'avais mis aussi un tout pour les minecarts, mais je pense pas l'utiliser, franchement je l'utilise pas trop, c'est vraiment assez compliqué. On va faire un tour aussi. Ici. Il faudra que je termine ça aussi. Mais bon. On va quand même passer par là. Oh, tant pis. Hop, on remonte. Et voilà. On va terminer de prendre le reste. On repasse une fois. C'est bon.
Donc je ne comprends rien pourquoi les modes, enfin les modes, j'arrive à des fois, mais quand on les installe à la suite, ben des fois ça va pas. Puis dès qu'on fait un nettoyage de pipi, qu'on prend une ancienne, un ancien truc et on installe les nouveaux, et ben ça marche. Donc ça va, tout va bien. Je vais pas en plein. Ah, j'ai comme tout ça en fait. Ah, bref. Je ne sais plus aussi si je voulais montrer. Mais j'ai fait la salle. Oh non, 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 non. Bon, plus que de beurre que de mal. Faut vite que je remonte. Voilà. Donc voilà, c'est une pièce fermée, bien noire. Je penserais pas que ça ait spawné aussi vite quand même. Donc voilà, c'est magnifique. Ça m'a tout détruit. Ouais. C'était plus comme ça, je pense. Voilà. Donc on allume. Par contre, je ne vois pas. Donc vous voyez, ça spawn bien quand même. Donc c'est. Voilà ça aussi. Ah. Donc. Bon bah voilà, de l'expérience gratuite, on va dire. Je vais essayer aussi d'installer un. Oula. Un. Comment dire? Un mode qui ajoute un truc vraiment très bien, que ça fait des dégâts quand on marche dessus. Donc c'est Trapcraft. Hop. Que je fais attention à ma vie, c'est bon. Voilà, l'expérience elle a bien monté, il faut que je modifie ça. Donc là ça ferme la porte et là ok, tu m'énerves. Et là ben ça éteint la lumière. Voilà que les monstres ils spawnent et ça marche vraiment très bien. Vous avez déjà vu, ça marche vraiment très bien. Je pensais pas que ça allait marcher aussi bien quand même. Donc on va aller faire le donjon à squelette. Comme ça, le truc de blé automatique, je vais pouvoir l'utiliser à fond. Mais quand je dis à fond, c'est vraiment à fond. Il est quelque part. Un petit peu, il doit être par ici. Je ne sais plus à force. Ouais, il est ici. Je m'en rappelle. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a de l'eau dans les parages? Oui. Largement. Hop, donc je remonte en faisant un clic droit pour récupérer la source. Hop, à la deuxième. Attends, j'ai même pas de torche, je suis sûr. Oh, c'est quand même. Je n'ai qu'un cookie. Et si, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un. Ouais, comme ça je peux pas tout mettre dedans. Il y a un zombie qui m'a fait un rare drop, une épée en fer, donc c'est vraiment bien. Donc voilà, alors ça doit être dans les plus. Donc les plus ici, donc hop. Il doit avoir 4. Donc c'est un peu les trucs de base des spawns, les donjons. Non. J'ai pas de pelle, dommage. Donc si vous voulez que je vous fasse quelques épisodes sur ma sur mon autre série,
à mon autre monde, avec Willcraft, avec les autres trucs, hein. Bah, vous pouvez me le dire. Donc je pense que s'ils doivent marcher avec le mot créature, mais je ne pense pas que avec le millénaire que ça marche, hein, je ne pense pas. Parce que c'est là le truc, j'ai tous mes items pour dire de un peu m'aider, parce que vu qu'il y a des trucs vraiment durs et certains objets, on peut même pas les crafter. Donc voilà. Donc, ici, on va avoir 3. Ici 2. Hop. Donc je mets un truc d'éclairage aussi ici. Je me suis trompé d'un cran. Alors, et c'est... Donc là, il faut que je creuse aussi un rang. Une épaisseur. Hein. Donc, j'ai mis plus de... Donc, le nouveau micro que j'ai, je ne sais pas si je l'ai dit. Il faudrait que je mette une image si je m'en rappelle. Donc aussi ici 4. J'entends de l'eau, donc c'est pas très très bien ça. C'est pas bon signe, on va dire. Parce qu'il faudra que je rebouche. Je vais faire une petite ellipse. Je vais m'aller sur une autre map parce que j'ai essayé un système et je ne sais pas si ça marche en 1.5. Puis que j'ai dû reformater le PC, ça peut être galère. Donc je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai regardé. Donc ça c'est pour voir si je... C'est le mode Boulder, il marche bien. Donc j'ai regardé, en fait ça ne va pas parce que maintenant les distributeurs avalent plus la lave quoi. Comme en 1.3. Car le piège c'est en gros c'est on envoie la lave une millième de seconde, comme ça ils prennent feu, et on les écrase vraiment une millième aussi, comme ça à la fin on leur donne un coup et puis ils meurent. Mais là, ça n'existe plus. Parce que je suis en 1.3, en 1.2 plutôt. Donc voilà, j'ai pas regardé aussi pour le mode que je vous parlais, je vais y regarder. À tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai essayé de mettre Trapcraft, ça va pas du tout, même en faisant un nettoyage, etc. etc. ça va pas du tout. Donc je ne peux rien faire. Alors, on va faire autrement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je compte exactement le même truc, mais bon, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va revenir à la sortie. Hop. Et tac. Donc vu que c'est pas intéressant, je vais le faire en off et je vous montre le final. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc c'est la fin. Hop. Je mets la lave et je m'en vais. Tout simplement. Donc voilà, la lave est prête. Je vais mettre l'eau ici. Je vais mettre l'eau là, comme ça le coin est déjà créé en fait. Donc voilà, je vais mettre l'eau. Hop, ça ici. Hop. L'eau.
Donc j'ai mis des pancartes hein, pour que l'eau elle s'arrête. Hop là. Voilà. Donc là, j'enlève ça. Ensuite, j'arrive plus à monter, normal. Là, j'ai un peu aller l'agrandir aussi, on sait jamais. Voilà. Donc là, la sortie, elle est là-bas. On va se dépêcher. Ouch! Voilà. Donc la sortie, elle est là-bas. Là, où il faut récupérer les loots. Donc on va y aller. Ça marche. Regardez, il y a un squelette. Bon, celui-là, sinon, va nous tirer dessus. Hop, il brûle. Hop, et ça tombe. Voilà. Donc, ici, il faudra que je fais une petite truc. Pour récupérer et puis voilà. Par contre, on va essayer un autre truc. Hop. Il faudrait que je revienne dedans. Vous allez voir pourquoi. Que je les tue. Et je me casse. Voilà. Donc là, j'attends un petit peu. Là, je mets ça là, ici je mets ça, ici je mets ça. Voilà, donc là ça va spawner. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire en gros. Ça va spawner, hop, je récupère et là je l'ai mal fait. Donc, on peut le tuer. Voilà, il est de haut lui. Donc quand on arrête comme ça, qu'on coupe, ben, et ça, comment dire, il se bloque en fait. Donc la seule solution, c'est de revenir en peaceful et de revenir. En fait, quand on arrête, tous les squelettes, ils s'accumulent dans les chemins. Donc à chaque fois, quand il faut descendre d'un cran ou quand y a un bloc qui manque, bah ça bug en fait, tout simplement. Donc il faut faire des systèmes pour dire que ça s'arrête. Donc vous voyez, je suis vraiment à la bedrock hein. Voilà, il y en a un deuxième aussi. Du coup ça y tue hein. Donc ça peut faire aussi un truc à XP comme ça. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont plusieurs, enfin ils se sont bloqués en fait.
J'ai l'impression. Ouch. Et ils font mal hein, quand même. Va-t'en. Oui, ça s'est bloqué. Je vais mettre un peu de la glace tout le tour pour les voir. Donc voilà, j'ai une petite idée comment faire. Ça continue à spawner. Ouais, faut que je mange un. J'ai faim. Ça, il m'en faut ça pour le nouveau mode que j'ai installé. Il m'en faut vraiment. Donc, comment on va faire? On va déjà mettre des lampes, des torches plutôt. Donc ça a de spawner. Après, tout le long à gauche. Ouch! Maintenant là-haut. Là, on va mettre de la glace, puis là. Voilà. Faut remonter. Il y a la terre. C'est ici. Je me suis fait une pelle tout à l'heure. Voilà. Comme ça, je vais voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ouch! Qu'est-ce que c'est ici? Ah, c'est pour descendre. Bah, j'aurais directement accès ici. J'ai mis des torches, non? Donc, on va aller chercher tout de suite du verre. Et on va faire ça. Donc, je vais peut-être miner un bof hors caméra pour beaucoup de pour avoir une pioche chance 3 si ça serait vraiment vraiment bien. Comme ça je pourrais avoir plus de diamants. Donc vitamine, qu'est-ce que je fais? Et puis j'essaye de faire qu'est-ce que je veux. Enfin je me réexplique. Ah ben encore là, tiens, c'est pas ça. Donc je m'explique. Je termine, qu'est-ce que je fais? Après, je vais rester là-bas au truc pour avoir des ressources en plus, beaucoup d'expérience, quoi. Enfin, en gros.
Je vais rester là-bas pour avoir de l'expérience et pour me refaire une pioche en diamant chance. Je vais essayer, j'espère que avoir le javelot facilement en diamant. J'espère parce que sinon ça va être chiant. Quoi, quoi ça va être chiant, mais c'est vraiment chiant. Ou je vais carrément miner avec ça alors en attendant que j'ai plus de diamants pour essayer d'en avoir une. Encore là. Donc là on va aller prendre du sable. Ma pioche m'appelle. Donc je ne me rappelle plus si j'ai un biome sable, je ne pense pas. Il faudrait que je crée un pleu en plus. Faudrait que je crée un. Comment dire? Un truc avec le sable pour avoir du sable illimité. Donc j'ai recherché. Pas ça, j'aime pas. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, enfin à ce mode. Un mot créature, donc c'est un peu la guerre. Je lag un petit peu là. Il y a plus une genre de plaine derrière. Et pour les trucs de. Enfin pour miner automatique là, je vais peut-être les faire par ici, je pense. Comme ça, je vais être tranquille, mais je ne sais pas si c'est assez près de moi en fait. Pour que ça continue à se faire. J'espère. Au pire, je me fais une petite cabane ici, puis voilà. De toute façon, j'avais dans l'idée de faire une boucherie automatique comme dans moins 0.3. Wow, c'est la première fois que ça me fait aussi près de moi, franchement. C'est vraiment la première fois que ça le fait aussi près de moi. Enfin bref, je vais essayer de faire ça. Et de toute façon, il me faut pas mal de diamants pour commencer à faire le creusage automatique. Il me faut 11 diamants pour faire un seul truc qui mine automatiquement. Donc là, il en manque 3. Bon, ça va me demander beaucoup de temps. Il faut que je fais une mine optimisée, je pense, hein, pour vraiment avoir plus de chance. Hey. Non! Oh non! Bon, on va dormir en même temps. Donc, quasiment que j'ai fait ma reste minimap pour me guider. Je suis quand même mort après, je pense quand même. Oh, des moutons. Il s'est protégé de la buée, je pense. Hein. Je passe par là. En mode galère quand même. Normalement, je suis mort ici. Voilà, j'ai de la chance. Oui, donc j'ai remis mon Minecraft à 0, 1, 2, 3 fois la suite. Donc c'est vraiment la guerre. Non, c'est. Ah voilà, ça nous donne des cacao, je pense, non? Non. On va retourner à la maison. Ça fait mal. J'ai plus aucun point là. Je signale.
Faut que je refais tout, donc c'est vraiment la galère. Je vais aller voir au village qu'est-ce qu'il y a de changé. Donc il y a ce bâtiment, je m'en rappelle. On a que le mort fait une armure aussi. Ouais, c'est bon, j'ai le mode tir. Ouais, donc ouais, c'est donc ce mode là je connais. Enfin, le bâtiment, ouais. Par contre, je ne sais pas pourquoi ils ont retiré le bois d'ici. L'huile de la pierre. Non, c'est derrière. Là, il y a un gros bug. Je peux plus revendre. Je l'avais dit déjà dans un autre épisode. Non, je peux même pas acheter, je peux rien faire. Je pense que ce village il est bugué. Parce que là, je peux plus vraiment rien faire avec. C'est bizarre. Et là, la remontée en haut. Je ne comprends plus rien. Je vais essayer d'en retrouver un autre du village parce que là, vu qu'il est bugué celui-là, c'est un petit peu chiant. Bon, je vais arrêter parce que là, je vais plus en avoir. Ça va être magnifique. Après, je vais gueuler. Mais si je trouve un autre village, je vais déménager auprès de lui, mais je vais laisser tout comme ça, sauf que je vais prendre tous mes coffres, etc. Je vais avoir une petite base, si au cas où si je reviens. Toi, j'ai quoi d'important? J'ai quand même pas mal de trucs, hein, quand même. Attendez. On va aller essayer de mettre ça sur le cheval pour voir si je l'ai. Je n'y croyais pas en avoir. Alors, il était par là. Il est par là, il est là-bas. Il est là. Moi je tape. Ça va pas? Je sais pas si vous entendez mon mitraillage de clic droit. Ok, mais il m'a arnaqué, ce gars. Ce cheval il m'a arnaqué, je porte plainte. Donc je rappelle, il faut vraiment faire attention aux orques. Pas aux orques, mais aux orques. Je ne sais plus. Ah oui, je vais faire cuire ça, le sable. Je vais le faire en deux parties pour que ça va plus vite. Les trucs qui sont en bas. Moi, je mets ça là, je m'en fous. Ah, donc j'ai quand même pas mal de trucs déjà pour l'instant. Donc, j'ai plus de graines, c'est ça, je pense.
Non, ça je récupère. J'ai plus de graines. Est-ce que j'en ai? Moi, j'en ai deux. C'est pas ça qui va m'arranger. On va le faire. 5 minutes. Comme ça, je peux récupérer des trucs. Enfin, surtout des graines, hein. Et vu que là, je n'ai plus. C'est un peu chiant. Donc ça va revenir à chaque fois. Donc je reste vraiment clic droit à chaque fois. Parce que maintenant à 1.3, il faut vraiment. Attendez. Hop. Tac. Tac. Comment faire ça en 1.3? Et là, on peut vraiment rester appuyé. On peut vraiment rester appuyé sur clic droit. Donc je fais ça tant que le sable pousse. Là, je pense que j'en ai assez. Venu 22, je pense que j'en ai assez. Voilà. Donc maintenant, ça, c'est illimité. Ouais, faut pas que je. Moi, je laisse ça comme ça, ça fait. Ah bah là. J'en ai là. Heureusement que je regarde. Voilà. Donc si je déménage, je prends ça, je prends tout, hein, franchement. Sauf peut-être le blé, comme ça j'ai une petite réserve de nourriture ici carrément. Ouais, c'est pas là. Bon. On va aller un peu se fighter. On allume et on attend. Oh bah tiens, Slim. Carrément des tout détruit en plus. Hop. Ça. Oh. Dead. Je suis mort. Je vais devoir reprendre ça. Tac. Et le mode que je voulais installer, la trap craft. Ça aurait été vraiment bien parce qu'on peut poser un truc par terre et ça fait un cœur dommage ou un demi-cœur. Donc là j'en avais mis 2-3 ici et puis je serais quand même tranquille. Par contre j'en ai pris qu'une, c'est magnifique. J'ai rien pour boucher. Les trous qu'il y a au sol. J'en mets ici et ici, comme ça je vois qu'est-ce qui arrive autour de moi. Voilà, je ferme, j'arrête. Donc on va descendre, allez. Et on va à gauche toute. Je pense que je vais vous laisser là quelques minutes. Donc ici, hop, ici, ici, et ici. Comme ça.
putain, je les vois arriver. Non, je comme je laisse comme ça. La fusil, c'est bon. Non, c'est pas bon. Ici, voilà. Voilà. Donc on va remettre en route. Voilà, maintenant j'ai deux chemins d'accès. Ah non! Ah, ça va, j'en ai une. J'ai de la chance. J'ai eu de la chance d'en avoir une là. Je ne pensais pas que j'en avais une. On s'enfuit. Ah. Voilà, hop, c'est bon. On soulève. Et je vais mettre ça. Hop, je me refais une armée aussi. Donc, on va aller en haut. Et on va surveiller. Bien, ça va. Ah, j'ai pas, j'ai oublié de refermer. En mode galère. Voilà. Non, pas ici. Hop. Et puis là, il faut qu'il soit à zone, hein. Voilà, ça va, la torche elle est assez loin. Ils voient pas trop la lumière. Puis là, je vais la mettre là. Oh non, 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 non. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Ça va me poser un problème. Voilà, petite lumière d'ambiance. Alors, est-ce que ça va? Vous voyez, ça bloque, hein, franchement. Donc, c'est chiant. J'ai pas pensé à ça. Non. Ici. Pourquoi ça bloque? On va essayer autrement. Oui, il y a un creeper à ma gauche, oui, je sais. Il m'a pas vu. Oui, il y a quand même pas mal de monde là-bas. Hop. On garde l'épée en main, on sait jamais. Enfin, en main, à portée de main. On attend. Et voilà. Donc au pire, vous prenez l'épée. En fer, même en bois quand même. Et voilà, vous avez, ça fait de l'expérience et vous avez les loot. Voilà.
C'est bon. Là, ça va bien, même donc j'espère que ça va aller comme ça avec une pancarte. On va aller voir. Donc ici tout va bien, ça tombe. Parce que j'ai fait ça dans ma truc 1.3. Enfin, j'ai pas mis le verre tout ça, mais j'ai mis j'ai développé cette technique 1.3. Mais ça marche vraiment très bien. J'ai resté ici pendant une demi-heure et puis j'avais pas mal de monde à la fin. Donc voilà, donc j'espère que ça va marcher comme ça. Voilà, il y en a deux. Donc, je vais attendre 5 minutes ici pour voir si ça spawn exactement ou si ça bloque. On bouche l'entrée, on ne sait jamais. Donc je vous reprends tout à l'heure. A plus. Donc me revoilà. J'ai attendu même pas 5 minutes et voilà. Donc là ça bug plus. Je pense que c'était le courant un peu qui gênait, je pense. Là ça tombe vraiment très bien. Donc aussi s'ils veulent, s'il y en a qui veulent mettre un piston pour être tranquille, je pense qu'il faut le mettre de l'autre côté là-bas. Parce que si vous mettez trop bas, mettons si vous mettez ici, celui-là, il est quand même assez loin pour dire qu'il y a encore du monde qui spawn. Donc ça va vraiment faire bugger, donc je pense vraiment ici, comme ça va vraiment empêcher que ça spawn. Moi je m'en fous. Regardez. Tellement qu'il y en a en fait qui me poussent très loin. Regardez toutes les flèches. Ah, la combat de squelettes? Oui. Hop. Et voilà, on attend. Donc ça va être du bruit, hein, c'est sûr. C'est marrant. Et voilà. Ah, c'est sûr, ça demande une épée en fer. Mais si mettons si vous avez carrément une épée looting, bah, utilisez-la franchement. Surtout contre les squelettes. Parce qu'avec les os et les flèches, c'est vraiment très bien comme truc. Donc voilà, je suis déjà niveau 11, c'est vraiment très bien. Mais si là, si vous partez à 2-3 mètres, enfin 2-3 mètres. Ah, peut-être 20 blocs ou un truc comme ça du spawner, tous les squelettes qu'ils ont spawné avec le spawner vont despawner. Donc ça c'est ça qui est chiant. Même si vous partez en 2 secondes, ça va despawner. Ouais, donc c'est chiant. Donc quoi ouais, mon vite fait, faut vraiment pas lâcher la lave comme ça. On va reprendre vraiment très vite. Lumière. Là. Non, personne. Il faut attendre un petit peu. Voilà. Donc la salle aussi, vous pouvez la faire vraiment plus grande. Elle doit faire assez grand. Je pense. Allumer la lumière en premier, comme ça je suis sûr.
Donc on va monter, je vais prendre aussi une petite lampe. Et ouais, il faudra que je termine. Ça va. Ouais, j'ai quand même eu pas mal d'os et de flèches. Un stack de flèches, j'ai eu. Je ne sais pas depuis combien de temps je tourne à force avec toutes les coupures que j'ai fait. Ouais, j'ai quand même pas mal de trucs. Ouais, c'est bon. Donc je les stocke ici, les flèches et puis les os, je pense, hein, je ne suis pas sûr. On va se faire ça. J'ai quand même pas mal de houe, hein, si vous voyez ce que je vois. J'en ai 3, 4, 5. Mais bon, tant pis. Ouais, j'ai pris des flèches, ils sont là. Hop, des arcs aussi, j'en ai plein. Bah, la game powder. C'est bien ça pour creuser assez rapidement. Pour miner, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, vous voyez, ici j'en ai deux, ici j'en ai. Enfin, moi j'en ai 6, 6, 7, quoi. Je peux même en gauler tellement que j'en ai. Donc, ça c'est bien. J'ai modifié les spawns aussi. Je ne sais pas si c'est assez encore modifié depuis le temps. Donc là, on va augmenter. C'est plus marrant. Plus en détail, donc ça c'est les loups, donc je vais mettre 7, les rats 6, les orques, ouais 6, 8, 4, non. J'ai remis par défaut, il faut tout refaire, c'est magnifique. Refais tout, vite fait. Donc on pas 10. Ouais, 5, 10. Et les 6, ouais, c'est bon. Ah oui, j'ai oublié. Voilà, c'est bien. Ça, normal. Donc après, je pense que c'est bon. Le truc que j'ai mis. Comme ça. Je vais me faire deux pioches. En diamant. Voilà. Et je vais attendre que j'ai de l'expérience en bas. Je vais mettre ça là. Je vais me prendre à manger parce que ça creuse, hein, de faire ça. Donc au pire, je vais utiliser les pioches pour miner normalement. Donc je vous reprends peut-être dans le prochain épisode, mais bon là il est minuit 35, donc là je vais attendre là en bas. Et si vraiment il y a beaucoup de je peux faire le montage tout de suite comme ça. Demain matin je vais vous reprendre normalement à 10 minutes, même pas à 5 minutes quoi. Le temps de faire les enchantements. Et voilà. Donc, à demain. Voilà. Ciao, ciao. Bonjour à tous. Attendez, je vais monter le son hein, pour que vous entendiez mieux.
Oui, ça fait à peu près 10-15 minutes que j'attends. Et voilà. Donc je vais peut-être mettre la lave tout de suite parce que sinon je vais vraiment avoir des gros problèmes de bugs. Parce que sinon il y a un gros problème. Voilà. Donc je vous montre hein, comme ça. Parce que c'est vraiment beaucoup là. Vous voyez, il y en a tellement que je peux même pas m'approcher. Bon bah. Dans 10 minutes, lol. Il y en a tellement que c'est vraiment trop long. Oh, attendez. Nope. Donc j'étais niveau 11. Hein. Regardez toutes les choses qu'il y a, franchement. Bon. On commence à en avoir moins. La 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 la. Qu'elle me prépare plusieurs épées hein, je pense. Moi j'ai gagné 7 niveaux, c'est pas mal, mais bon je pensais en gagner vraiment plus, pas mal d'os aussi. Je vais remonter, je vais mettre un piston là parce que j'ai un peu vu que ça fait la merde. Et voilà, donc c'était juste pour vous montrer là. Allez, ciao. Donc me revoilà, j'ai mis le piston, voilà, tout simple. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer. Je vais attendre que j'ai pas mal d'or de niveau. Et je vous reprends dans le prochain épisode. Voilà, et à plus.